Aujourd'hui, nous sommes à Oujda à l'occasion de l'inauguration de la troisième édition de Lettres du Maghreb, ce salon maghrébin, mais qui regroupe également des éditeurs, des auteurs de différentes régions en dehors du royaume, et qui sont le Maroc, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Égypte, le Liban, la Palestine, la Tunisie, l'Algérie. Et cette troisième édition, dont la thématique est la transmission, avec des tables, 36 tables qui vont parler de la transmission avec pratiquement 250 écrivains de différents horizons et qui tous sont des écrivains qui ont publié des livres, qui sont reconnus à travers le monde et qui vont venir dans cette magnifique ville qui est Oujda pour montrer au public de l'oriental, Oujda, Al-Husayma, Nador, Figig, pour voir qu'ils ont une possibilité de pouvoir venir assister gratuitement à des thématiques et à des débats de très haut niveau. Et je pense que durant ces 4 jours de manifestation, le public sera ravi de voir une édition comme celle-ci. Et j'espère que ça va être un grand succès. Et on le voit déjà lors de cette inauguration. Et ce qui est aussi important, c'est les débats qui vont découdre de cette manifestation pour qu'on puisse réfléchir et avoir une meilleure et une véritable vision sur la culture et surtout la transmission.